Alors vous savez, ce qui est marrant en fait, c'est que depuis tout à l'heure, on fait comme si tout était normal, on travaille, on cuisine. Je sais pas si vous voyez à quel point le bateau bouge. Il y a tout qui bouge, le rouleau bouge, enfin voilà. Alors comme vous pouvez le voir, on est en train de faire une petite pizza, voilà, donc maison, enfin sauf la pâte, ce qui n'est pas vraiment maison, mais voilà. Maison, petite sauce tomate, petit poivron, petit beurre, franchement ça va être délicieux. J'ai hâte de voir à quoi elle va ressembler quand elle va être sortie du four. Rien non plus et pas maison, la sauce tomate non. Ah oui, c'est vrai. J'allais vous dire, ce qui est cool la nuit, c'est comme le vent tombe, normalement la houle tombe avec et le bateau roule moins. Et au moment où j'allais dire ça, ça se met à rouler grave. Alors rouler, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que le bateau en fait va d'un côté puis de l'autre. Voilà, on dit qu'il roule en fait, il roule d'un côté puis de l'autre. Et c'est le mouvement de bateau qui est le moins agréable, c'est celui qui donne souvent le mal de mer à ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du bateau. Sortie de la pizza. Oh wow. Ça a l'air trop bon ça, dis donc. Ça a l'air pas mal du tout. La pâte a l'air bonne, hein. Trois fois, j'essaye de filmer parce que le bateau se roule grave et on peut voir ça, vous pouvez voir ça là-bas avec le four qui penche à côté de l'autre. Et chaque fois que je prends la caméra, ça s'arrête comme là, ça va, c'est correct quoi. Et vous dire, tiens, ils ont démarré le moteur. Ouais, ça bouge vraiment en fait, il y a de la houle, du large, ça rentre dans le mouillage et ça bouge, mais vraiment. Je sais pas si on peut voir à l'horizon. Ouais, voilà, en gros. Hein. Donc là. Bon, après, ça va. Personne n'est malade, mais en fait, c'est super désagréable. Et la nuit, ça vous empêche de dormir parce que ça vous réveille. Du coup, en fait, à 3 quarts d'heure d'ici, une demi-heure, 3 quarts d'heure, il y a un petit mouillage qui a l'air bien plus protégé. Donc on va y aller, on va voir. Hein ? Ouais, c'est chaud. Parce que là, pour dormir, ça va être compliqué. Après bon, je dois bien vous avouer qu'on fait ça aussi parce que ça nous amuse, hein. On va pas se mentir, j'adore faire des nappes de nuit, je trouve ça cool. J'avoue que je suis toujours extrêmement frustré la nuit parce que j'arrive jamais à vous retracer l'ambiance, vous retranscrire l'ambiance qu'il y a, mais c'est juste magique. On est arrivé à l'autre mouillage qui roule beaucoup beaucoup moins que le précédent, donc on a fait 30 minutes de nappes de nuit pour quelque chose. Pour ? Quelque chose quoi, on l'a pas fait pour rien. Je me réveille avant elle, je me dis bon, je vais l'attendre pour regarder. Elle se réveille et là je lui fais signe, je lui dis on regarde. Elle me dit ah ouais, j'ai regardé déjà, c'est très joli. Il y a encore de la houle. Nouveau sport sur le rail, tous les matins, hop là, ça fait les mollets et les coups. Allez, allez là, je suis chaud là. Non mais qui a déjà vu ça? Qui a déjà vu ça? Mais sans déconner! Mais il pleut! Non, moi j'en peux plus, j'en peux plus. Il n'y a pas de nuages, elle vient d'où cette pluie? On est venu à la plage. Vous allez rire. Cette fille s'y présente là, me dit oui, viens, on va se balader. Moi j'aime bien marcher, nanana, nanana. Bon. Il voulait pas, il voulait rester comme un gros. Moi j'avais envie de rester tranquille sur la plage. Bon, au bout d'un moment je lui dis allez d'accord, on y va, c'est bon. Sauf que
J'ai oublié mes chaussures. Oh bah on a oublié ses chaussures. Mais on va pas aller bien loin. Hein? Si, on va aller bien loin. Hein? Voilà. Non mais en plus quel dommage. Il n'y a pas un seul escalier pour monter voir ce qu'il y a en haut. Non mais alors vraiment, mais quel... Oh là 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 là, c'est tellement dommage. Je suis tellement déçu. Là, y a mais déçu. Non, ça mène. Et bah qui sait qui va voir si ça mène quelque part. Ça pue, bien. Pam pam pam. Ta ta da ta da ta ta. Bah je crois que c'est déjà le chemin du retour hein. Je crois que c'est déjà le retour, bah ça va, c'est moche, hein, normal, alors ça, c'est ce qu'on appelle le coup dur là. On descend le tapis rouge de calme. Regardez-moi ce joli bateau juste là-bas. Ça y est, on continue un peu notre balade sur donc les hauteurs du Cap Ferrat. Ah, oh, ça te plaît? Ouais, c'est trop bien. Je pense que c'est magnifique. Même si on n'a pas de chaussures. Je pense que ça lui va comme un gant, vous trouvez pas? Comme il est mignon. Oui, il est tout chou. Rouge version 2. Allez, de retour à l'annexe. On retourne au bateau. Elle est des nôtres. Si ça continue les copains, je vais rappeler, je vais renommer la chaîne Corail en voyage, Corail en galère. Alors, après les galères de pilote, après les galères d'ancrage, bon hier soir le vent s'est levé, on s'est tapé de la houle au mouillage, enfin bon, ça fait partie de la vie de bateau. Mais non, c'est pas fini. Il s'avère que pour vous raconter tous les petits détails de notre vie, j'ai un trou dans ma dent. Vous savez, quand vous faites préparer une carie, vous mettez un espèce de pansement, là, un machin blanc, vous savez même pas ce qu'ils vous mettent, sûrement du plâtre, ils vous font payer ça une fortune, et ben, boum, ça tombe bien, ben, ça tombe mal, le truc s'est barré, puis il est parti en vacances lui aussi, et je me retrouve avec un trou dans ma dent, ce qui fait que ça fait que j'ai mal hein, depuis une semaine aux dents, et voilà. Et c'est là que Céani m'a dit le dessin est bien fait quand même, t'imagines, on serait en pleine mer et t'aurais mal aux dents. Le dessin est bien fait, ouais. Destin. Le karma est pas sympa avec moi en ce moment. Je sais pas ce que j'ai fait, mais. Je me pose des questions. Ah puis c'est là, c'est l'alarme de mouillage qui se met en route s'il a perdu le GPS. C'est fou. Je vais devenir dingue, moi. Ah, regardez-moi ça, une belle goélette qui passe juste devant nous. Alors, on vient de partir du mouillage de Saint-Jean-Cap-Ferrat, qui était vraiment magnifique. Et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, sur tout le long de ce cap, il y a plein de petits mouillages qui fait qu'en fait, on est abrité de presque tous les vents, de toutes les directions. Donc ça, c'est super pratique. Alors nous, de base, on voulait aller visiter les autres mouillages, mais comme on a eu ce petit problème, Fabien qui a mal à la dent, on se dirige tout droit vers le port de Nice pour aller chez le dentiste. Ça va, ça se passe bien? Très très bien, franchement, on s'amuse bien. On va y aller en fait. Ouais, on va abattre. Je devais vous dire, mais il est jamais à la barre, lui. Et c'est vrai que comme je filme, bah, quand je filme, c'est souvent c'est Annie qui est à la barre. On va dire résultat, moi je suis pas là-bas. Bon, là, comme vous avez vu sur les images, on a envoyé le spi. Moi j'adore le spi. Je suis vraiment fou amoureux du spi. Déjà parce que c'est beau, hein, on va pas se mentir, c'est magnifique quand c'est en l'air. Mais aussi parce que bah, vous avancez quand même grave vite. Alors pour ceux qui connaissent pas, le spi c'est cette. Peut-être que vous êtes nouveau sur la chaîne. Et
bah d'ailleurs si tu peux t'abonner, nous mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous aide beaucoup. Et puis bah même pour ceux qui sont habitués, qui nous suivent depuis longtemps, sachez que les petits pouces bleus en fait, on rigole, les ploufs bleus, en fait ça aide énormément parce que finalement YouTube c'est comme un robot et que et dès qu'ils voient que vous mettez des petits pouces bleus, et ben ils se disent bah tiens la vidéo est cool donc je vais la proposer à plein de monde. Donc vous contribuez grandement à nous aider, donc je vous remercie ceux qui font ça à chaque vidéo, je sais qu'il y en a qui le font, donc merci, c'est super. Voilà, et pour le speed, donc c'est cette voile que vous voyez, qui est juste ici, qui est super méga grande, voilà, qui avance crap bien. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne et qui connaissent pas le bateau, parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous, je vais essayer de vous expliquer rapidement hein, les différentes voiles. Alors, pour les puristes ou ceux qui connaissent déjà, je vais simplifier les termes, alors me dites pas dans les... Pas vraiment ça, je le sais, mais c'est pour simplifier, parce qu'après c'est compliqué tous les langages marins. En gros, il y a, on va dire, il y a plusieurs voiles sur un bateau. On a la voile arrière, cette voile-là, qu'on appelle la grand voile. On la met quasiment tout le temps. Donc voilà, c'est une voile qu'on va mettre tout le temps. Et on peut, ce qu'on appelle la réduire, c'est-à-dire que là, vous voyez qu'elle est, elle est en grand, mais on peut la rendre plus petite. En fait, plus il va y avoir de vent, plus on va la mettre petite, ce qui est logique. Ensuite, à l'avant, on va pouvoir changer de voile et mettre des voiles qui vont être en fait adaptées à la direction du vent qu'on veut. Donc si le vent vient de devant, on va plutôt avoir tendance à mettre ce qu'on appelle le génois, c'est à l'avant là. C'est la voile qui est enroulée à l'heure actuelle. Cette voile on l'appelle sur enrouleur parce qu'en fait ben, au lieu de la mettre, on peut la rouler. Donc c'est plus pratique pour ranger. Avant quand ils n'avaient pas ça, ils étaient obligés en fait de la prendre et puis de la faire tomber en bas, ça faisait un gros paquet, ils mettaient dans des sacs. Voilà. Et maintenant ben, on a des enrouleurs, ça permet aussi comme la grand voile, de la rendre plus petite. Et enfin, on a notre ami le spi. Et là, vous allez me dire, pourquoi vous mettez un spi? Alors le spi, c'est quand le vent, comme ici, comme aujourd'hui, il vient vers l'arrière, vous voyez qu'en fait, cette voile, on l'appelle le spi. Et pourquoi c'est mieux d'avoir ça quand il n'y a pas beaucoup de vent, et en plus que le vent vient de l'arrière? Parce que vous voyez que le spi, regardez, elle n'est pas tenue par l'avant. Vous voyez qu'il y a juste deux petits bouts là qui tiennent, deux cordes qui tiennent le spi. Et donc le spi, ça va être un espèce de gros ballon, le vent vient s'engouffrer dedans. Donc le spi déjà, ben, comme il peut faire hein, la forme de gros ballon, ça avance mieux. Et en plus de ça, souvent il est grand. Donc là vous voyez que c'est une voile qui est très très grande, donc quand il y a peu de vent, ben, ça trace. Pour résumer, si là on se mettait sous la petite voile d'avant, on avancerait à la vitesse d'un piéton à 3-4 km/h, un grand maximum. Alors que là on avance à la vitesse d'un mec qui court pas vite. Mais qui court quand même, vous voyez? Donc on avance quasiment deux fois plus vite. Et en bateau, c'est énorme. Ça vous fait, au lieu de faire une traversée en 4 heures, vous allez faire la traversée en 2 heures. Alors là, on est en train de préparer pour qu'on puisse coucher le spi, puisqu'il faut qu'on change complètement de direction. Et qu'on s'amuse pas à changer le spi de l'autre côté, pour le plaisir. Pas filmé mais on avait mis le speed de l'autre côté un peu et là ça y est on est déjà au port, donc on est vers le port de Saint-Laurent je sais plus quoi, enfin vers Nice quoi, voilà on est juste à côté de l'aéroport de Nice. Ouais, je suis allé faire quelques cours, je reviens du dentiste, ben voilà, c'était le carie mais je sens plus ma lèvre, ah, c'est chiant hein, putain. Ah, c'est trop trop. Du coup, je suis allé chez le dentiste, j'en ai profité pour faire quelques quelques courses. Il y a que des trucs délicieux, voilà. Alors, pendant que Fabien était parti au dentiste, moi j'étais là tranquillement, j'ai fait des petits dessins. Et en face, il y avait un bateau qui arrivait, un petit bateau de moteur, avec un capitaine et deux femmes et un homme, il me semble, dans l'équipage. C'était pas vraiment un équipage, c'était des gens qui voyageaient comme ça. Ça devait être de la famille. Et le monsieur, il arrive et il fait que leur dire « Oui, prends le bout, tu fermes le 8 au taquet, maintenant tu prends le tangon. »
forcément, elle comprenait que dalle. Et ça m'a fait rire et ça m'a vraiment fait penser. Quand vous avez un équipage qui est novice à la voile, surtout essayez, n'hésitez surtout pas de leur apprendre les termes avant de leur donner plein d'ordres. Parce que du coup, forcément, elle ne comprenait rien et elle ne pouvait absolument pas aider. Parce qu'elle n'avait aucun vocabulaire, ce qui est normal. Voilà, donc petite anecdote, ça m'a fait rigoler. T'as oublié de rajouter qu'en plus elle se marrait à l'avant. En plus, du coup, bah, elle rigolait parce qu'elle était un peu en stress. Elle était là, mais là, on prend le bout de guerre, mais pas celui-là, mais non, mais le tambour, le taquet et tout, le duit. Et... Oh mon dieu, même moi là, j'aurais été très très mal. Du coup, ça m'a fait bien rire, voilà. Anecdote. On va te faire un examen, tiens, la prochaine fois. N'hésitez pas à un examen. Ouais, je vais te demander plein de trucs sur le bateau. Non, mais surtout si vous avez un équipage qui est novice, arrêtez de leur donner plein d'ordres et de leur crier dessus comme s'ils savaient ce que c'était un tangon. Non, en fait, on ne sait pas ce que c'est un tangon. Donc, faut apprendre les choses, voilà. Petite anecdote envers les capitaines, petit conseil. Je suis trop contente. Mais ce serait pas une surprise de la part du capitaine, ça? Que vois-je là? Je me suis pris une pizza, moi. Ah. Pour moi. Bah écoute, je pense que... Je crois que tu m'avais dit que tu voulais faire des pâtes pour toi. Non, bah, voilà. Ta 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 ta, pizza végétarienne, oui. Heureuse. Bah on était bien posé au mouillage. Et là on se dit, ouais, est-ce qu'on resterait pas là, quoi? Et en fait, il y avait un tout petit peu de vent. Et du coup, eh ben, on a décidé d'en profiter, voilà, donc on est parti et on a bien fait, évidemment. Alors, ouais, alors ça c'est le problème quand on n'a plus de pilote automatique, c'est que du coup, bah, le bateau, il suit pas le vent en fait. Voilà, voilà. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de pilote automatique ces derniers temps, je me dis, les gens qui suivent les vidéos, qui connaissent pas le bateau, ils doivent se dire qu'est-ce que c'est que ce truc. En fait, un pilote automatique, c'est un objet électronique hein, qui barre à votre place. En gros, on lui dit la route à suivre et puis il va faire gauche, droite, selon ce qu'il faut faire. Voilà, il a un compas à l'intérieur et il sait s'il faut aller plus à droite, donc il corrige en fait la barre. Quand le bateau va trop à droite, il va un peu à gauche et vice versa. Et voilà, et donc bah là, comme on n'a plus de pilote, bah on fait tout à la main à l'ancienne. Bon bah on est en nave, hein. Avec un joli petit coup de soleil derrière. C'est magnifique l'image qu'elle fait là. On a Samy le papillon qui nous a rejoint. Bienvenue Samy. Chérie? Non mais chérie, je t'appelle. Eh oh! Qu'est-ce qu'il fait? Mais enfin amour, tu savais bien qu'il allait falloir remettre le moteur quand même. Oui mais il n'y avait plus du tout de vent. Oh mais c'est comme ça. Oh. Allez, on espère qu'on va arriver au mouillage. Bon bah comme vous avez vu sur le petit court métrage qu'on va mettre en intro ou je sais pas où d'ailleurs, on a fait un bon moment de voile. Et bah là la nuit tombe mais on va au mouillage au moteur. Ça va, on n'est pas très loin. Et il y a une petite foraine juste à côté là-bas. Ça a l'air particulièrement beau là. Il y a une petite forteresse ou citadelle ouais. Médiévale. Je sais pas si on nous voit dans le noir. Je pense pas. Donc on va faire le mouillage là et on découvrira ça demain. Sûrement une petite vue de drone demain dans l'épisode.
je pense. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire un tour sur notre page Utip. Il y a des super guides, des fiches qu'on a faites rien que pour vous, qui peuvent vous aider ou même vous apprendre à naviguer. Et d'ailleurs, on a sorti un dernier guide cuisine avec plus de 30 recettes faciles à la poêle. Voilà, on espère vous revoir bientôt sur la prochaine vidéo. Voilà. Plouf. T'es sérieux? C'était pas bien plouf? Non. Ah bon.